Liverpool et Chelsea seraient sur le point de faire une énorme offre de contrat à Kylian Mbappé, alors que l'avenir de la superstar du Paris Saint-Germain est en suspens. Manchester United a également identifié Kylian Mbappé comme une cible clé, alors que le nouvel actionnaire, Sir Jim Ratcliffe, cherche à ramener le club au sommet de la Premier League. Le contrat de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain devrait expirer à la fin de la saison. Par conséquent, les clubs étrangers pourront entamer des négociations précontractuelles avec lui dans le cadre d'un transfert gratuit l'été prochain, à partir du 1er janvier, à moins qu'il ne prolonge son contrat. Le Real Madrid a longtemps été considéré comme le favori pour l'acquisition de l'international français, mais il semble que les clubs de Premier League soient prêts à rivaliser avec les géants espagnols pour sa signature. Kylian Mbappé a signé pour le Paris Saint-Germain en 2018. Depuis, le joueur de 24 ans a marqué 220 buts en 269 matchs et délivré 98 passes décisives. L'attaquant a ainsi permis au club français de remporter 12 trophées majeurs, dont 5 titres de Ligue 1. Il a également été le joueur vedette de l'équipe de France lorsque celle-ci a remporté la Coupe du Monde en 2018 et atteint la finale l'année dernière. Kylian Mbappé a la qualité nécessaire pour transformer des équipes en vainqueurs de trophées en série, il n'est donc pas surprenant de voir Liverpool et Chelsea faire pression pour le recruter. Selon la publication italienne La Gazzetta dello Sport, citée par le journal français Le 10 Sport, Liverpool et Chelsea ont l'intention de tenter leur chance pour obtenir un contrat pour Kylian Mbappé cet hiver. Le rapport indique que les deux clubs de Premier League sont prêts à lui offrir des contrats extrêmement importants, afin de devancer la concurrence pour sa signature. Kylian Mbappé gagne actuellement un salaire hebdomadaire de plus d'un million d'euros au Paris Saint-Germain, le plus élevé de tous les joueurs en Europe, et on pense qu'il exigera un salaire similaire dans son prochain club. Par conséquent, Liverpool et Chelsea devraient bouleverser leur structure salariale pour proposer une offre convenable. Comme l'a précédemment noté Team Talk, Manchester United a également été lié à Kylian Mbappé, Sir Jim Ratcliffe cherchant à amener un certain nombre de joueurs de haute qualité à Old Trafford. Dans ce contexte, il sera intéressant de voir si Liverpool et Chelsea ouvrent des négociations avec Kylian Mbappé en janvier, comme le suggèrent les rapports. Le Real Madrid reste le favori pour recruter l'attaquant à la fin de la saison, mais cette histoire connaîtra sans doute de nombreux rebondissements au cours des prochains mois. Affaire à suivre.